C'est un phénomène en pleine explosion dans le département où des actes de vandalisme similaires ont été observés devant des cités à des juifs, des villes voisines et à Sucy-en-Brie. Dans cette cité, des Martinets, il y avait 3 masques de vidéosurveillance qui permettaient de filmer 2 endroits sensibles en matière de trafic de stupéfiants. En 2 nuits d'affilée, il n'en restait plus qu'un. Bon, selon nos informations, ce sont les agents de la ville qui, derrière leurs écrans, assistent en direct au siège des mâts. Ils ont évidemment appelé la police, donc le commissariat est situé à 5 minutes, mais ils ont intervenu il était trop tard. Alors, les auteurs n'ont pas été retrouvés, mais même s'ils n'ont pas encore été retrouvés, la réaction des policiers ne s'est pas faite attendre. Quelques jours plus tard, 3 personnes ont été placées en garde à vue après une grosse opération de police dans cette cité. Les policiers ont trouvé dans 2 appartements distincts plus d'un kilo d'herbe de cannabis, 900 grammes de résine, téléphone portable, du matériel pour conditionner la drogue, 20 plants de cannabis et du matériel de culture. Dans les parties communes, les fonctionnaires ont également trouvé la main sur 2 cartouches de gros calibre, 5 bonbonnes de cocaïne, plus de 200 grammes d'herbe. Bon, c'est une enquête qui est considérée comme prioritaire par les policiers et l'enquête est confiée au commissariat du Kremlin-Bicêtre.